Bonjour YouTube. Enfin bonjour surtout. YouTube. Bonjour YouTube. On est de retour sur Kiev Story. Du coup, on sait que notre caméra s'est cassée parce que le médicament qu'on lui a donné a marché très très bien. Et maintenant on a un jetpack. Maintenant on a un jetpack, donc c'est plutôt cool. Ah putain! Oh sérieusement, sortir pour prendre ça. En fait ça fait surtout chier quand il y en a beaucoup, c'est tout. Ok, max, partout, parfait. Ouais, quand même. Énergie et missiles récupérés. La petite sauvegarde ici. Et on va se casser de l'autre côté. Le générateur semble cassé. Un ingénieur habile pourrait le réparer sans doute. Ouais, mais malheureusement, nous ne sommes pas un ingénieur habile. Nous sommes un robot guerrier. Tiens. C'est un énorme rocher. D'un énorme rocher. De derrière, tu sens un vent souffler. Faudrait au moins deux personnes pour bouger ce truc. Ça tombe bien, on est deux. Ah ah! Je me demandais quand tu arriverais. Si on poussait ce gros rocher, on pourrait sortir. Ça dit, les rumeurs disent qu'un monstre vit de l'autre côté. Alors soyons prêts. Bon, poussons ce truc. Prends le côté gauche. Prêt, on pousse. Allez! Ça n'a pas bougé d'un poil, j'ai l'impression qu'à deux on n'y arrivera pas. Salut! Toi! Oh oh oh, suivant! Et en plus, tu sais ton fieu du labyrinthe. Tu peux pas rester tranquille comme un bon petit robot. Tu ne feras pas le poids face à mon maître, pas plus que moi. Très bien, tu vas en finir avec tout ça. Ne m'en veux pas, mais je dois te mettre en pièce. Hé, hey, toi la grosse boîte là! Pousse par le milieu, tu veux? Quoi? D'accord. Oh, foutez-le-moi. Oh, foutez-le-moi, quoi. Aïe, 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 aïe. Il m'a surpris. Je m'attendais tellement pas à ça. Et si j'utilisais le... C'est quand même beaucoup plus simple, non? Tu as vécu Belrog. Est-ce que je me fais chier depuis tout à l'heure, mais bon... C'est quand même vachement mieux. T'inquiète, je vais vous aider, mais rappelez-vous, ne dites à personne que je vous ai aidé. Ton secret sera gardé. Ouais, poussez. Maintenant, promettez-le. Ne dites à personne que je vous ai aidé. On promet. Finalement, ce gars n'a pas un si mauvais fond. Ouverture de coffre. Missile amélioré. Oh, intéressant. J'utilise jamais les missiles, mais pourquoi pas. Ah ouais, les missiles sont plus rapides quand même, hein. De missiles. Ah, j'avais pas vu ça par contre.
Que utilise la mitraillette, la fille robot? Oui. Non mais sérieusement. Non mais oh! Et non, putain. Elle prend pas de dégâts, elle s'en fout. Ah, mais c'est vide. Merde, c'était pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Là. J'ai du mal avec le changement d'arme, putain la vache! Ok, tout le monde est au max, ok. Ouais, t'as qu'à se casser si. Je préfère largement un gun qui traverse les murs que sa mitraillette, toute pétée, hein. J'ai tellement pris ma race! Pourquoi j'ai pris si cher? Non, c'est les mobs qui ont pris super cher, non? J'ai l'impression d'avoir pris une masse de dégâts dans la tronche. Ah, bonjour! Ok. Nick. Nick. Vous voyez un bouton, vous appuyez dessus. Ok. Que cette épée, ça. Magasin du labyrinthe. Oh. Ah si, magasin du labyrinthe, si, ça me permet de sauvegarder, si, carrément. Toujours, il a toujours rien. Hein. Celle qui est enfermée ici est une sorcière nommée Jenka. Mais ce n'est pas par haine ou même chose, nous sommes dans sa bien pour protéger quelque chose. Je ne sais plus trop quoi en fait, mais peu importe. L'aile. Du coup, j'ai une coéquipière. Mais j'ai pas ses stats de PV, j'ai pas ses stats. Enfin, j'ai aucune de ses stats. Donc, c'est pas une coéquipière sur qui il faut que je veille.
En plus, elle a l'air de prendre littéralement zéro dégâts. J'aime pas le déplacement dans l'eau, il est horrible. Endroit sombre. On est toujours au labyrinthe? Féline, noire, tête de tigre! Pas passer par là, il va falloir continuer tout droit. Mais laisse-moi sauvegarder, bordel! J'entends un grand bruit d'eau au travers. Si ce n'était pas grillagé, vous pourriez passer. Archi, non, rien. Quoi? C'est le Félindra tête de tigre qui vous perturbe? Il faut pas. Étrange endroit, n'est-ce pas? Je me demandais si c'était une base. On va monter par au-dessus. Ouvrez évacuation, oui. Ah, je sens que ça va être le je sens que ça va être la Darker. Je sens que ça va être le bordel. Allumez les détecteurs à la porte numéro 4. Cette porte est à moitié ouverte, un truc doit être coincé dedans. Il va falloir passer par en dessous, quoi. Tu entends quelque chose? Porte sur porte, toutes ces sécurités, je me demande ce qu'il y a ici, pas toi. Oui. Non mais oui, je suis d'accord, mais comment on passe là? Genre il n'y a pas de... Faut passer par en dessous, quoi, on est d'accord. Ou alors faut réappuyer là-dessus. Descendre mon charge, oui. C'est ça, ok. Charge descendu. Ouvrez évacuation, oui. Ouverture. Évacuation ouverte. Ok. Je pars du principe qu'en sautant on avance plus vite, mais. C'est vrai, on fait archi en plein milieu de l'écran. Putain, j'ai viré la souris, j'ai failli virer le téléphone en même temps. Robot cassé, sévèrement endommagé. Je vais lui parler à elle. Regarde, un soldat de la surface, il est tout cassé. Il y en a d'autres comme ça. Qu'est-ce qui a pu? Pas Migar, non. Il se réveille, il vit encore! Équipe 9 annihilée, échec de la destruction de la cible. Force employée insuffisante, retraite, retraite. Ah. Ah oui, d'accord, carrément. Bonjour. Alors, je suis pas convaincu là. Thank you.
Je crois que j'ai plus d'air. Adieu! Vous êtes noyé, essayez, oui. Détecté à la porte numéro 4. Espace sous l'eau quand tu peux encore respirer. Oui, bon bah c'est bon. Oh là là. Ça se passe amuser, hein. Ça se passe amuser les gens. Il fallait bien que je meure noyé un jour, hein. Moi je me suis dit que de toute façon dès le début du truc, t'as amusé pour chier à avoir galéré sur un boss, laisser 100 personnes se noyer. Ouais, il faut tester les trucs. Et puis merci, mais merci bien, mais les gars, respire quand tu peux respirer, pro tip. Sérieusement. T'auras pas de meilleur conseil. Bah ouais, mais non, mais c'est bon. Je veux dire, je pense que je suis au courant. Archie, si tu veux pas te noyer, te meurs pas. Putain, quoi, sérieusement. Par contre, à chaque début de boss, elle se fait victimiser, hein. Mauvais plan. Mauvais plan. Bonjour. Aïe. Ah non, mais... Ah. Ah, vous arrêtez d'avancer un peu là, au bout d'un moment. On a dit pas contre le mur, hein, au bout d'un moment. Dégueulasse, hein, ce que vous faites. Je me sens en position de faiblesse, là, d'un coup. C'est pas cool. Mais je fais laguer le jeu, quoi. De toute façon, en restant là, c'est-à-dire qu'en me mettant pas plus bas qu'ici, je ne mourrai pas de noyade. Donc ça va. On va dire que c'est worth. On va dire que c'est worth.
Ah, alors ça, par contre, c'est chiant. Putain, il m'a fait tomber. Salaud! Vite ses attaques, oh ça va, toutes ces attaques sont susceptibles, en fait toutes ces attaques sont susceptibles de me healer, de me donner des points d'XP, donc ça va, au final ça va en fait limite tu le bolosses comme ça, tout passe mieux, je ne sauterai pas, non je ne partirai pas, aïe, ok je saute, c'est bon, j'ai compris. Putain, c'est le niveau 2, merde. Il restait le niveau 2. Shit. L'aile. Vide. Vide. Sérieusement? On va laisser avancer un peu quand même. On va laisser avancer un tout petit peu. Oh. Ok. Ça me plaît mieux ça déjà. Ok, allez, presque mort. Bon. J'ai vraiment du mal avec la gestion du switch d'armes. Et les yeux ouverts. Tac, nick. On a réussi. T'es toujours en état de marche, c'est ce que je vois. Toi, c'est cette sorcière qui m'a jeté ici. J'espère pour toi que les enfants vont bien. Ah, silence. Que tu te prends pour leur mère, sais-tu au moins. C'est cette chose que vous essayez de détruire. Quoi? Est-ce que je vais chez le robot? Ceci est le cœur de l'île. Si tu le détruis, l'île tombera sur la terre. C'est ce que tu souhaites? Détruire cette île comme marque de gloire? C'est de la folie. Hey! Que fais-tu? Amène le noyau là-bas tout de suite. On a encore le temps. Ça n'avait pas le temps. De l'air. Ah mais... Alors là, si je meurs là-dessus... Non, c'est si je meurs là-dessus, c'est abusé. Ah, si je meurs noyé là... Reviens! De l'air! Mais sérieusement? D'accord, ok. Oh, d'accord, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, ok. Oh. Ah, c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire. C'est la suite. Calm down, c'est la suite. On se détend, c'est bon. Arrête de stresser. Merde! Aucune réponse. Mais non, mais... Mais débile bête, t'es mignon, toi. J'étais censé aller où, là? Mais non, mais...
toute façon, j'avais pas le choix là, si. Mais je suis pas d'accord! Ah mais non! Non, 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 non! Alors, attends. Voilà, hein. Je suis pas d'accord. Non, non! Non, non, si ça veut dire qu'elle meurt, je suis pas d'accord. Non, non, je recommence le boss, bats les couilles. Alors là, il est hors de question. Hors de question! Hors de question. Ouais, attends, par contre, paramètres. Oui, alors non. Alors attendez, hop. Juste un bug. Tac, voilà. Hop. C'est tout bon normalement? Yes, parfait. Ah, tant pis, maintenant c'est fait, hein. Si c'est une succession de trucs à faire avant pour la sauver, tant pis, hein. Mais s'il y a moyen de la sauver en allant boucher les évacuations d'un coup comme ça. Ou alors fallait pas aller récupérer. Ah, ça se trouve, fallait pas aller récupérer le Médoc tout à l'heure. Genre comme ça, elle se sent. Comme ça, elle est. Comme ça, elle nous accompagne pas et elle crève pas. Tant qu'à faire. L'aile. Mais nous, on meurt. Je ne sais pas, je spécule. Je spécule. Mais c'est facile pour vous qui connaissez le jeu. C'est bon quoi. Les fameuses infos de chat. C'est pas grave, on refait le boss. Hein. De toute façon, pas trop le choix. Elle meurt, moi, t'es ouf ou quoi? Merde, c'est vrai que ça monte pas ici. Ok, elle meurt, moi! Attends, oh! Les missiles sont très pratiques quand même, hein, pour canarder de loin comme ça, franchement. Ah, c'est vide!
C'est vide, j'en ai plus. J'ai plus de missiles, j'ai trop... Je suis en train de pousser le boss là dans ces dernières franchement. Non! En fait, faut que j'arrête de le repousser comme ça, hein, faut qu'il avance. Hein. Allez, avance! Avance, Petio, avance. Avance, et puis si en plus tu peux me donner des... Si en plus tu peux me donner des... Si en plus tu peux me donner les missiles... Moi j'aime bien ça les missiles. Aïe. Non. Oh, toute la vie que j'ai perdu. Pas de mourance ici. Hein. Ok. Bon là on a compris ce qu'elle a dit à chaque fois. Tant que les enfants vont bien, machin, etc. On est en train de détruire le noyau de l'île, machin, etc. Bon, ça, on a compris. Bon, même si du coup, grâce à Anto, j'ai compris qu'on pourra pas la sauver, malgré mes doutes. Hein. Oui, il n'y a pas moyen de sortir par là, ok. Est-ce que je peux lui parler au moins? Elle a bugué. Elle a bugué. Bon bah tant pis, hein, écoutez. Hein. C'est pas grave, même si du coup je m'en doutais, hein. Bon tant pis, c'est pas grave. Hein. Tant pis. Quel dommage. Une si jolie robot. Ah, est-ce que j'aurais pu tirer sur la porte? Ah, peut-être. J'adore quand je lis le chat et que le chat me dit ah, tu pourras plus la sauver une fois la porte passée. Ah, c'est pas grave, on va pas refaire une troisième fois le boss. Hein. C'est pas grave, ça sera dans une nouvelle partie. Y'a pas moyen de rouvrir les évacuations et de faire tomber l'eau là? Erreur. Putain de chien. Ce n'est pas la question, Anto. La question n'est pas de savoir si ça fait mal ou pas. Oh, la question c'est surtout que j'ai pas envie de savoir si c'est possible ou pas avant de l'avoir essayé. Terrible en tout cas. Je suis vraiment pas.
Je m'en fous, je la sauverai lors de ma prochaine partie. Je m'en fous. Ah, iconoclaste, noir, putain. Terrible noir, hein. Le combat de noir est terrible hein, dans iconoclaste. Hein. Vous avez pas vu de souris Non. Là. Saloperie. Cabine de voie navigable. Se reposer, oui. Énergie récupérée. Mais pas les missiles. Les missiles, j'en ai pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, je dis ça là, mais je vais refaire Iconoclast. Je vais refaire Iconoclast, mais cette fois-ci en True Night. Ça va. Quelque chose arrive. Voilà, ça c'est fait. Ah, on est retourné chez les Migas. Pauvre poisson, oui, c'est fait exécuter sans sommation. Petit boss poisson, ça fait tellement défoncer. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah oui, c'est la ferme. Personne ici. Heureusement que je prends pas de dégâts de chute, remarque. Moi, j'aime bien sauvegarder tout le temps. Téléporteur. Ouais. Non, je veux pas aller à la zone des sables, non. T'as la musique, ça fait vraiment. Putain, c'est un endroit désolé, quoi. Terrible.
espace de rangement. Oh, on a les affaires à régler ensemble. Ah, ça m'étonnerait. Et si, si, au revoir alors. Putain, mais... D'accord. Ok. Ok. En vrai, la musique me fait trop bizarre. Genre là, de toute façon, on n'a pas besoin, parce que là, il y a rien ici, de toute façon. Peut-être aller dans la zone des sables. Peut-être aller dans la zone des sables, ouais, allez. À savoir. Là aussi, il n'y a plus personne. Je vais quand même sauvegarder. Ah putain, cette musique me fout un bad, mais monstrueux! Oh, impressionnant. Je parle pas du fait que c'est la pire musique ou pas, je parle du fait qu'elle fout un bad. C'est pas pareil que de dire que c'est la pire musique. C'est bon? C'est bon, on est calmé? Ça va? Non mais... Ça va, non? Oh... Moi aussi j'aime bouffer, hein, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison d'essayer de bouffer le premier venu, hein, au bout d'un moment. On a tous des problèmes. Moi j'ai ma copine robot là qui est morte, donc bon, au bout d'un moment, zut. On va peut-être déconner, hein. J'ai dit robot, hein, j'ai dit ma copine robot, j'ai pas dit ma copine Robin. Non, Robin c'est dans Iconoclast.
full dégradé. Ici, y a rien, a priori. Merci Archie, je sais que je suis en train de dire. Bon, ici il n'y a rien a priori, du coup on va descendre un peu. Ici je crois que j'ai tout fait. Ici je crois que j'avais fait. Je crois que j'ai récupéré, je crois que c'est une capsule de vie. C'est une capsule de vie récupérée là, je crois. Oui, c'est ça, c'est une capsule de vie. Ah, attends. Je crois savoir où faut aller. Oui, allez aux incubateurs. Peut-être tout au bout des incubateurs, hein, peut-être. Oui, ils ont changé les incubateurs. Il y a eu cette grosse explosion, quand je suis arrivé, c'était tout en ruine comme ça. Qu'est-ce qui va pu se passer? Oui, d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait, hein. Toi, ta gueule. Oh, bébé dragon! Oh, bon, évidemment, hein, c'est après-midi de niquer. Hein. Nombre de missiles augmenté de 5. Okay. Tous les ans ont l'air d'avoir éclos, du coup. C'est les autres dragons, je crois, non? Oui, oui, si je viens de croiser un bébé dragon, c'était les autres dragons, ouais. Ouais, carrément. Et parce que là, évidemment, je peux plus passer. Ah non, ce serait trop facile. Évidemment! Putain. Oh, Drago, il s'est fait empaler! C'est quoi ça? Ça va exploser, faut que je le tue avant. Enfin, je pense que c'était un truc qui allait exploser, fallait que je le tue avant que ça explose. J'ai plus beaucoup de vie, hein. Thank you.
Yeah. Je suis en train de me remettre, bordel! Je suis en train de me remettre droit, merde! J'ai tellement failli passer! Ah, comment dire? On peut passer ici, non? On peut pas passer ici. Ah oui, il faut passer par... C'est l'observation des œufs. Tiens, le coffre. Nombre de missiles augmenté de 5. Présenter quelque chose. Bonjour. Ah ouais, d'accord, ok. Alors. Alors, comment dire? Comment dire? Ça va être une VOD de qualité, hein. Comme d'habitude. J'ai cru que j'avais pas aidé. Putain, mais ça fait tellement laguer le jeu, quoi. C'est abusé. Ça fait full laguer le jeu. C'est impressionnant. Ouais, hein, voilà. C'est pas la faute, c'est un ordi nul. Dixit, c'est lui qui arrive pas à faire tourner Assassin's Creed Unity? Vraiment? Vraiment toi qui dis ça? Bref! La suite une prochaine fois, du coup, retour dans les incubateurs pour défoncer des bébés dragons. La prochaine fois, YouTube. Des bisous.